Travaille en silence, le succès se charge du bruit. Il se passe trop de trucs dans ma life en ce moment, les gars, oh my god, je suis trop contente. Alors en fait, pour la petite histoire, hier, on est donc parti voir un expert comptable. Il y a des petites choses qui se trament. On n'est pas forcément au courant des aides, des statuts à prendre, etc. Il y a tellement de trucs. Même si ça faisait partie de mes cours au lycée, il y a plein de choses que j'ai oubliées et il y a des choses qui ont changé depuis. Vous verrez par vous-même, mais en gros, c'est validé. Vous me direz, il n'a pas d'intérêt à me dire que c'est une mauvaise idée, sinon il ne touche pas son argent par le futur. Donc on est sur une création d'entreprise by le statut d'auto-entrepreneur. Oh my god, ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Là, je vous avoue que j'ai une petite boule parce que bah il se passe plein de choses dans ma tête. Finalement c'est comme si j'étais enceinte une deuxième fois. Est-ce que c'est une bonne idée? Tu te remets en question? Est-ce que je suis prête à faire ci? Est-ce que c'est le bon moment? Ça fait des années et des années qu'on rêve, enfin qu'on rêve, c'est plus moi qui en rêve, mais qu'on a envie de lancer notre truc. On a lancé l'école de Jordan, on a lancé la marque de maillot de bain. Ouvrir une boutique, c'est finalement l'accomplissement de beaucoup de travail. On y est, donc je suis trop contente. J'ai plus de batterie. Fuck. Désolée les gars, je n'avais plus de batterie. Pour changer, vous connaissez. On est tout simplement allé visiter un local. Ça fait un moment que Jordan en fait regarde les annonces. Je suis en mode ouais mais non mais peut-être que... Il y avait toujours un truc. Là en réalité il y a encore quelques petits trucs qui font que bah, on se pose pas mal de questions. Mais d'un autre côté on se dit que si on se lance pas, on n'aura jamais la réponse à nos questions. Parce que c'est difficile de se dire, ouais mais je me lance, mais si ça se trouve je vais investir et ça va pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un fucking pressentiment que ça va bien se passer en fait. C'est hallucinant, moi genre je sais pas comment expliquer, genre je suis méga angoissée, je n'endors pas la nuit. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de, il faut que t'essayes. Donc du coup c'est clairement ce que Jordan m'a poussé à faire et il m'a dit, au pire ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc on a sauté le pas, on est parti visiter. Donc il y en a eu plein d'autres, mais je sais pas. Pourquoi celui-là, pourquoi j'en sais rien. Mais je sais que si ça s'est fait de cette manière-là, c'est pas pour rien. Je crois mais énormément au karma. Vous n'imaginez même pas à quel point genre je suis méga superstitieuse. Enfin bref, c'est un délire. Mais je ne sais pas, mais genre celui-ci, même si c'était pas le truc de mes rêves, même si c'était pas... Voilà, il y a plein de petits trucs qui font que c'est pas ce que je recherchais réellement. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me fait dire Joy, let's go, c'est maintenant. Je vais tout vous montrer, let's go. A récupéré le local un peu pourri. Ça va. Enfin, ça va. Par rapport à comment elle l'a récupéré pour le coup, parce que c'est une rôtisserie avant. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel elle a dû récupérer ça, la dame. Mais nous, il y a quand même quelques trucs à faire. Mais le blanc est bien. Le blanc est pas si mal. Enlever ça, reboucher les trous. Mon fils est en train de ronfler. Ça va devenir repeindre. Ici, j'ai envie de faire un truc un peu coloré. Je pense que ça va être une mission pour le coup. Oh, des pieds, mon gars. Bah là, tu vois, si on avait un doute sur la peinture, il n'y a plus de doute. Hein. Thanks, Jordan. Tu nous épargnes pas du tout la peinture blanche. Ouais, il fait chaud en robe, en même temps, on va pas vendre du chocolat. Ça fait la taille du magasin, ça va jusqu'au bout. Ouais, tu tiens, mais il y a un morceau là sur le côté, frère. Il va tomber. Ouais. Ah ouais? Ok, d'accord. Je reste pas dessous là, mais après ça me porte malheur. Ça touche le sol là? Je sais pas. Non, pas du tout. Je ne ferai pas d'un fond stop, je peux te le dire. Je pense pas que je vais mettre du stop. Tu vois, t'as un champ, tu vois, c'est enfoncé. Ah oui, ok. Le mur, ouais, ça permet de faire une déco tout autour, presque. Ouais. La
première chose, la peinture. Pour reboucher les trous parce qu'il y a des milliards de trous dans le mur et du coup, on va falloir faire ça. Et ensuite, peinture pour un petit coup neuf, c'est toujours mieux. Bon, trous et fissures de petite taille. En vrai, facile à utiliser, facile à poncer. Déjà, on rebouche les trous. On va aller dans un autre magasin là. Attends, faut un mètre. Attends, un mètre c'est aussi cher. Genre juste pour faire comme ça, c'est... Ah non, 6,80. Je voulais 15 euros. Ça c'est pour que la mesure elle soit prise toute seule, non? Là j'en ai un à 6,90 et il fait 10 mètres. The next day. On n'a pas de bout d'embout en étoile. Il fait chaud là-dedans. Oh, ok. Attends, mais c'est sale ou c'est des traces de mains qu'il y a? Sur le mur. Ouais. Ouais, c'est sale. C'est la poussière? Ouais. Oh my god. Elle a récupéré les clés de sa boutique.